Les amis, bonjour. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. Alors, ben oui, vous l'avez vu, hein. Je suis avec l'ami Manu depuis le temps. Bonjour. Depuis le temps. Ça faisait un bout de temps. Ben oui, Manu était occupé. Il a aussi des occupations. Écoutez, là, on se dirige vers le site d'escalade du Besse. Je ne connais absolument pas, donc on va voir. J'espère qu'on peut voler, qu'il n'y aura aucun problème là-bas. Et surtout, on doit y retrouver l'ami Patrick. L'ami Patrick qui est venu de nombreuses fois nous voir, qui s'était parti d'un stage. Il est revenu voler plusieurs fois. C'est le plus grand redoublant de mes stages. Voilà, mais il aime venir voler dans le coin. Et donc, c'est toujours très sympathique de se retrouver ensemble. Voilà, donc là, on fait la route. Voilà, il nous reste une petite demi-heure de route, si tout va bien. La météo devrait être pas trop mal, surtout le matin. L'après-midi, peut-être un peu plus de vent, on va voir. Déjà, on va voir le site, à quoi ça ressemble. Écoutez, c'est parti pour les images. Pour la suite. Bon, les amis, nous sommes arrivés avec l'ami Manu. Alors, le site d'escalade est dans le trou. On a été voir vite fait, mais c'est la jungle. Ça va pas être top, donc on va essayer de vous faire quelques vues. L'ami Manu a tout repéré. Il a fait la checklist. Et regardez, l'ami Patrick... L'ami Paul, ils nous ont rejoints. On va pouvoir tous voler, faire du drone. Fantastique. Allez, on essaye de vous montrer quelques images. Bon les amis, avec l'ami Manu, on a repris la route, on est suivi par Patrick, naturellement. On change de coin parce que, bah écoutez, vous avez vu, on n'a pas fait beaucoup de vues parce que, en fait, on n'a pas pu accéder vraiment là où on voulait accéder. Et donc, je vous ai montré quelques vues. Mais là, on va en direction du château d'Alleuse, petite pépite que j'ai filmé plusieurs fois, toujours dans le Cantal. Je ne sais pas s'il a dit au début d'ailleurs qu'on était dans le Cantal. Je l'ai dit Manu ? Je pense pas. Il pense pas Manu, mais moi non plus je pense pas. Écoutez, allez, on va voir ce qu'on filme. Bon les amis, on est arrivé au château d'Alleuse. On a fait quelques vols, Patrick vole, Manu est présent. Bah, écoutez, voilà, le vent se lève, peut-être vous l'entendez dans le micro, je n'espère pas. Superbe vue que ce château. Allez, on vole, on continue. Tout bon? Allez, décollage.
amis, on roule. Eh ben, je vous donne en mille. Regardez ça. Il se met à pleuvoir. Super les vols de drone. Allez, on va voir si on peut voler. Parce que là, on était en train de se rendre au château, un château de la Garde, qui est au nord de la Lozère. Allez, on va voir si on peut voler et s'il n'y a pas plus de pluie là-bas. Bon les amis, voilà, nous sommes sur le retour avec l'ami Manu, toujours présent. Eh oui, c'est mon pilote. Nous avons quitté Patrick et Paul, qui sont derrière, mais qui vont bifurquer en cours de route. Vous avez pu voir tous ces beaux vols qu'on a fait. Enfin, j'espère qu'il y aura des beaux vols une fois que j'aurai fait le montage. Hein, on n'en sait rien. En tout cas, on a pas mal volé. On a eu un petit peu de pluie, c'était pas prévu du tout. Beaucoup de vent, comme prévu l'après-midi. Il y a eu du vent, donc pour la Vata, c'était un peu plus chaud. Mais bah, vous avez vu, le site d'escalade, bah, pour les drones, c'est foireux, c'est pas à refaire. Après, le château d'Alleuze, toujours aussi magnifique. Forcément, le week-end du 15 août, quand c'est tourné, bah, y a un peu de monde. Et puis, à la fin, donc le château de Albaret-Sainte-Marie, nord Lozère. Toujours sympa. Bah, c'est une ruine, hein, qui s'arrange pas au fil des années, malheureusement. Mais c'est comme ça. Écoutez les amis, en attendant, on va pas discuter une heure. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Dites-le moi dans les commentaires, c'est super important. Et vous le savez, sur YouTube, chaque commentaire compte. Même en disant juste merci ou autre chose, ce que vous voulez. Allez-y, lâchez-vous, mais pas trop. Le pouce, on s'abonne, parce que quand on s'abonne, ça fait chaud au cœur et ça motive pour la suite. Et puis l'ami Manu et moi, eh ben, on va vous dire au revoir. Hein, au revoir, à la prochaine. Allez les amis, ciao.